Salut à tous, bienvenue pour ce numéro 84 d'HP Hour. Au programme de cette émission, Karine nous apprendra comment réaliser un plateau déco, vous découvrirez ça dans quelques instants, et notre amie Claire nous parlera d'Halloween évidemment, puisque vous l'avez vu, hein, la date d'aujourd'hui, on est en plein dedans. Et puis notre invitée de la semaine, ce sera l'écrivaine Léa Viller, qui est venue nous présenter son dernier livre, Somebody. Voilà, j'espère que vous êtes prêts et que ce programme vous met en appétit, parce que moi oui, c'est parti. Chaque jour sur HP TV, la télé de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, toute la météo, le temps pour le lendemain, également l'agenda de vos sorties. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite cette émission 84 avec notre amie Claire qui va venir nous parler aujourd'hui d'Halloween, puisqu'évidemment nous sommes en plein dans la période. Hello. Hello. Alors Halloween, parlons-en un petit peu. On va parler des pumpkins. On l'a vu au cours d'anglais, c'était voilà. Les citrouilles donc. Voilà, c'est ça, les citrouilles. Donc les citrouilles, on peut en faire plusieurs choses au moment d'Halloween. On peut faire une tarte à la citrouille, mais ça on le fera une autre fois. Et on peut faire aussi ce qu'on appelle du carving pumpkins, c'est-à-dire qu'on sculpte la citrouille. D'accord. Et on peut s'amuser à faire beaucoup de dessins différents. Donc vous allez en voir apparaître certains à l'écran. Il peut y avoir vraiment des dessins très... qui font vraiment très très peur, voire aussi très colorés. Donc vous voyez, faire une tête de mort, peindre la citrouille en blanc et mettre beaucoup de couleurs, ça fait un peu Louisiane, ouais. Tout ça, c'est assez particulier. Il y a des dessins un peu plus communs, on va dire, avec des dents, des sourires qui font peur, des yeux plus ou moins aussi. Oui, comme on a plus l'habitude d'en voir, avec où on met la bougie à l'intérieur, c'est et ça. Voilà. Un petit chat aussi. Celui-là, il est super, hein, avec voilà. Le chat. Le petit chat, ça fait sympa. Celui-là aussi, pour les plus petits, parce qu'on peut faire aussi Halloween de manière un peu plus... moins effrayante, on va dire. Et plus pour ludique. Les plus petits, qui est bien. Ça, s'ils font assez peur. Vous voyez, c'est un... Là, on est plus dans l'esprit Halloween effrayant. Ça, c'est a contest. Je me souviens plus du mot. Un concours. Merci. Il ne rentre pas celui-là. Donc, c'est le concours qui a été fait pour Halloween. Et on peut s'amuser même à faire trick or treats. Ah oui, alors c'est ce que dit. Alors il faut que tu expliques. Voilà, donc ça c'est ce que disent les enfants. En fait, les enfants au moment d'Halloween, ils vont dans le quartier, ils se déguisent avec des costumes plus ou moins effrayants, et ils vont de maison en maison pour aller récolter des petits bonbons. Et quand ils arrivent devant la porte, ils sonnent et ils font trick or treats. Et normalement, les gens leur donnent des petits bonbons. Et s'ils leur donnent pas des petits bonbons, ils leur font un sort et leur jouent un tour. Donc souvent c'est le PQ autour de la maison, autour d'un arbre, ce genre de choses, ouais. Voilà. Donc là vous avez des citrouilles avec trick or treats, et donc dans le treat vous avez des bonbons, et dans l'autre vous avez des araignées. Donc... Très bien, ben merci beaucoup Claire pour cette petite chronique sur Halloween, et plus particulièrement sur les citrouilles comme vous avez vu. Tout de suite on va accueillir l'invité de la semaine, j'ai nommé Léa Viller. Léa, qu'on accueille pour la sortie de ce roman. Qui est sorti là, c'est le dernier sorti, on peut c'est le dire. Ça. Voilà. C'est le petit dernier d'une famille de 5 romans. Voilà, le cinquième. Alors, peut-être on peut parler un petit peu de votre parcours, Léa. Comment vous en êtes venue à l'écriture? Parce que je crois que c'est pas votre. C'est certainement une vocation, mais c'est pas votre profession première. Ben, disons que c'est pas ma profession officielle. Officielle, c'est ça. Mais l'écriture est ma passion principale. D'accord. Voilà. Depuis un peu toujours, hein, depuis l'adolescence, j'ai toujours écrit. Et là, il se trouve que je suis publiée depuis 5 ans. D'accord. Donc depuis 5 ans, ça fait un rythme à peu près de un roman par an. Donc je pense qu'on vous appelle Amélie Nothomb dans le cercle fermé des écrivains, parce que c'est ça, c'est quand même une productivité intéressante. Oui, en revanche, le premier roman a été écrit il y a à peu près une quinzaine d'années, donc et publié il y a 5 ans. Et ensuite, il y a aussi un recueil de nouvelles que j'avais écrit aussi bien avant. Donc c'est les 3 derniers, on va dire, qui ont été écrits dans les dernières années. Voilà. Et donc comment ça vient? Est-ce que c'est une habitude qu'on prend et qui fait qu'on a cette productivité-là d'une publication par an? Ou c'est le goût qu'on prend? Ou ça doit demander aussi un aménagement de vie? Enfin, comment ça s'est passé pour vous?
Alors en fait, le déclencheur, ça a été réellement la publication de L'Attrape-Rêve, qui est donc le premier roman. Oui, que je peux vous montrer, parce que je les ai tous. Donc, L'Attrape-Rêve, qui est le premier roman sorti. Voilà. De Léa. Et donc, j'ai toujours écrit, j'écrivais toujours, surtout plutôt des nouvelles et des contes. Et voilà, lorsque le premier roman a été publié, ben, ça m'a donné envie d'en écrire d'autres. Et je crois que plus on écrit, en fait, pour mon cas, plus j'ai envie d'écrire. Et j'ai une question aussi sur le lieu où se passeront, parce que le point commun, c'est l'outre-Atlantique, j'ai envie de dire. Et alors pourquoi ? C'est surprenant. Et en plus, avec des détails souvent géographiques qui font qu'on a l'impression d'y être. Mais pourquoi ce choix ? Je suis très, très inspirée par l'Amérique du Nord et surtout les États-Unis. Aussi un peu le Canada, puisque ouais. L'Attrape-Rêve aussi se déroule ouais. en partie au Canada. Mais disons que... je voyage souvent aux États-Unis et en fait, au fur et à mesure que je découvre ce pays, et bien oui, pour moi, il est très inspirant par à la fois ses grands espaces, sa culture aussi, qu'elle soit musicale, puisqu'il y a beaucoup de références musicales, oui. aussi cinématographiques. Voilà, après, c'est un peu inexplicable aussi. Voilà, c'est un pays qui m'inspire, qui m'attire. Alors, on l'a dit, c'est donc le cinquième roman qui est sorti. Donc, Somebody, j'avais pas dit le titre encore, je crois. Quel est un peu le... Alors ça, je sais que c'est toujours difficile et que souvent, c'est comme les artistes chanteurs qu'on a reçus, voilà, n'aiment pas trop. Mais quel est le pitch du livre Effectivement, c'est toujours. Et voilà, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Le résumé. Eh bien, oui, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. 200 pages à écrire. Et c'est pour donner, une idée aux internautes et leur donner envie pour avoir voilà, un peu la thématique ou, voilà, ou le début. Un peu alors, comme quand on était jeune, voilà, si vous avez manqué le début. C'est ça. Le point de départ, donc, c'est, ça se passe à Los Angeles, plus précisément dans le quartier de Venice Beach. Donc c'est un récit à la première personne, donc c'est à travers le regard d'une jeune fille de 20 ans qui débarque à Los Angeles, qui rêve de devenir scénariste, donc qui fait un stage à Hollywood, mais qui pour subvenir à ses besoins va être amenée à travailler dans un bar qui s'appelle Terrace Café. Et où elle va rencontrer un groupe de personnes avec qui elle va tisser des liens. Et elle va aussi rencontrer à Venice Beach un bouquiniste, Billy, qui alors est un homme de 85 ans et qui va en fait lui raconter son histoire. Et qui est très particulière, je veux pas trop en révéler. C'est bien de s'arrêter là pour le suspense. Voilà. Et qui va leur raconter son histoire. Et je peux juste dire que le début de son histoire commence dans la ville de Bodhi. D'accord. Qui est donc une ville qui était une ville minière qui a poussé donc du temps de la conquête de l'Ouest, d'où la couverture qui est une photo de cette ville qui depuis est devenue une ville fantôme de l'ouest des États-Unis. D'accord. Voilà. C'est la première fois que dans le roman vous utilisez la première personne, me semble-t-il. Tout à fait. Ouais. Et pourquoi que... Oui, j'ai un peu lu. Voilà, j'ai fait mon travail, c'est-à-dire que. Et pourtant, c'est pas avec ce qu'on est payé. Mais non, je. Ouais, voilà. Oui, pourquoi? Alors, j'ai eu cette envie. Et alors, moi, je me suis posé la question. Et peut-être que. Jusque-là, j'avais voulu rester. Un peu détaché peut-être du récit, des personnages, et là j'ai voulu un peu avoir un regard plus subjectif à partir d'un personnage. D'accord. Bon, après ce n'est pas du tout autobiographique. Donc, si vous voulez vous procurer Somebody, où pouvez-vous le faire? Alors, ils sont en vente sur Amazon. Voilà. Vous avez le lien. Il y a la version papier, mais aussi une version numérique.
D'accord, donc voilà, on a complètement le choix entre les deux. Léa Villar a une page Facebook également que vous pouvez retrouver, ça s'affiche sur votre écran, vous n'avez qu'à y aller. Et puis bien sûr, sur la page de l'émission, vous le savez, nous mettons souvent les liens pour vous procurer les ouvrages des gens qui viennent nous voir. Et petite nouveauté, si je peux me permettre. Oui, mais tout à fait. Donc j'ai un blog maintenant, donc vous pouvez taper Léa Villar et... sur un moteur de recherche et donc vous trouverez mon blog. D'accord, voilà. on peut mettre le lien. Vous aurez mon actualité, mais aussi des chroniques sur des livres que j'ai aimés, des films, des musiques. D'accord, donc n'hésitez pas à aller visiter le blog de Léa, dont le lien est en train de s'afficher actuellement sur votre écran. Merci beaucoup Léa d'être venue nous présenter son mardi, je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous le procurer. Encore une fois, on essaie de vous montrer dans l'émission que nous avons des artistes locaux de talent, et voilà, c'est important pour nous d'en parler. À très bientôt. Tout de suite, je vais rejoindre Karine dans son atelier pour une nouvelle activité de récup créative. Hello! Salut! Ça va? Oui! Très bien, et toi? Très bien. Alors, je suis toujours content quand je suis dans ton atelier. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, je crois qu'on prend les choses à l'envers. Aujourd'hui, on a un beau modèle fini. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer par montrer le modèle fini de ce petit plateau déco. Voilà. Très sympathique. Voilà, voilà. Donc, pour pouvoir réaliser ce plateau déco, est-ce que tu as vu un petit peu ce qu'il y a sur ma table, mais est-ce que tu aurais imaginé? Oui, non, pas du tout. Alors maintenant, oui, je vois avec ce qu'il y a sur ta table, je vois. Donc, mais sinon, effectivement, on n'aurait pas imaginé. Ouais. Donc, nous allons avoir besoin d'une bouteille en plastique, d'une boîte de conserve, boîte de thon, de la ficelle, du crin, d'un pistolet à colle. Toujours mon pistolet à colle. De ciseaux pour couper la ficelle, de sable déco, une petite fleur artificielle ou pas, on choisit, une petite scie, du bois flotté que nous avons ramassé cet été à Cabreton, tu te rappelles, sur la plage tous les deux. C'est ça. Et aussi, hop, une petite planche en bois pour faire le socle. Ok. Donc nous allons commencer par peindre cette planche en blanc, enfin, ou de la couleur. Oui, on choisit la couleur que vous voulez. Nous allons ensuite y coller du bois flotté. Nous allons découper donc à la taille de la planche. Avec notre bouteille en plastique et notre petite scie, nous allons couper le bouleau de la bouteille. Allez. Qui va nous permettre de faire un vase. Ici à peu près? Non, ras. Pourquoi? Ah, je sais pas, parce que j'avais l'impression que... Non. Ras. Complètement ras. Attention, le pistolet à colle qui est branché, qui est chaud à côté, fais attention. Voilà. Voilà, une fois le goulot retiré, nous allons prendre notre pistolet à colle pour mettre un point de colle au départ de notre ficelle. Ouais. Et là, nous allons entourer toute la bouteille de ficelle. Mais j'écoute, je le fais pendant que tu continues d'expliquer le reste. D'accord. Ensuite, nous allons nous occuper de notre petite boîte de conserve. Pareil, on va l'habiller. Donc là, je répète, comme je le dis à chaque fois, moi je fais avec ça, mais on n'est pas obligé d'acheter ça. On fait avec ce qu'on trouve dans la maison, puisqu'on est quand même toujours dans la récup. Nous allons donc habiller la boîte avec du crin pour décorer. Voilà. Ensuite, dans cette boîte, nous allons y verser du sable, qui est blanc. Mais que vous pouvez choisir coloré, voilà. Hein. Les couleurs, après, voilà, c'est vraiment avec ce qu'on a à la maison. Moi, j'avais du sable blanc, je prends du sable blanc. Qu'on verse dans la boîte. Et nous allons y mettre une petite bougie à l'intérieur, ce qui va nous servir de bougeoir. Une fois que Steve aura terminé d'enrouler la ficelle autour de la bouteille, nous l'habillerons aussi avec du crin ou autre chose, il y a du ruban, ce qu'on veut. On y collera une petite fleur en bois, parce qu'on a une petite fleur en bois, mais ça aurait été un papillon mauve, on aurait mis un papillon mauve. Et ensuite une petite fleur. Que nous allons installer le tout sur le petit plateau en bois que nous avons confectionné juste avant. Voilà, c'est très joli. Voilà. Avec le bois flotté que nous avons donc ramassé à Cabreton pendant nos vacances. Comme quoi, utilisez vos vacances pour faire de la récup. Voilà. C'est dans ces moments-là qu'on retrouve les trucs les plus utiles. Écoutez, moi, comme je pense que j'aurais fini ma bouteille pour l'émission 120 ou 124,
on va se quitter ici, hein, je pense que c'est plus raisonnable. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec nos amis chroniqueuses, hein, et puis de nouveaux invités. Salut, bonne semaine à tous. Ciao Karine.